accuse la maman de Karimou. Quoi? J'atteins le stade où je dis que la matière de Karimou est complice de tout cela. Quoi? Moi, j'atteins le stade où je dis que Karimou, elle représente sa maman. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est sa maman qui fait... Pour moi, sa maman est celle-là qui a commencé ce truc-là depuis longtemps. Karimou représente juste sa maman. Et puis le truc est juste venu, ils nous ont fait semblant comme si elle était avec le truc et tout machin. Mais c'est juste pour vendre l'erreur. Quoi? Pour moi, Samy, on a enlevé l'erreur de Samy. Il n'y a pas que Samy. Même Cabral, je le dis, que si c'est lui qui va me dire que je mens, qui vient me prouver que je mens. Ah bon? Et pourquoi? Parce que quand on va me dire que Blanche, tu racontes les conneries, je vais dire que Beno aussi me prouver le contraire de ce que je dis. Cabral avait une petite blessure ici, comme Samy a eu la petite blessure là. On n'a jamais vu qui a causé la mort de Cabral. Moi, je suis dessus, je suis très loin. Ouais, venez. Peu importe, pour quelqu'un qui, quand elle achète une voiture, elle communique. Tu aurais dû communiquer. Pour que quelqu'un qui a fait besoin à son mari à gauche et il rougit, elle communique. Tu aurais communiqué. Ça, c'est clair. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu as dit que Karimou a tué Samy. Non. Dis que Karimou sait ce qui s'est passé à Kribi, c'est pas l'accusé. Et c'est pas non plus un mensonge. Elle sait ce qui s'est passé. Elle a dit qu'elle n'était pas là, non. Mais elle sait ce qui s'est passé. Et quand on dit ça, ça veut dire qu'on a dit que c'est elle qui a tué. Il faut déjà qu'elle reconnaisse qu'elle sait ce qui s'est passé. Même si elle dit qu'elle n'était pas là, au lieu de l'accident, qu'elle a dit que c'était accident là. L'autre niveau de responsabilité de Karimou, c'est qu'elle a menti, pas à une reprise, pas à deux reprises. Elle a menti sur plusieurs fronts. Elle a menti en disant que sa soeur et elle se ressemble comme deux gouttes d'eau en passant. Elle a menti en disant que l'accident s'est passé devant les autorités. Maman. Elle a menti en disant que l'accident s'est passé devant Freeland First Bank. Hey. Elle a menti encore en disant que l'enquête est close. Partagez d'abord. L'autre vous dit que elle a dû rentrer parce qu'elle va ouvrir la boutique à quoi quoi. Laissez tomber. Elle a dit qu'elle va ouvrir la boutique où? Mettez le nom de la ville. Il vous sort maintenant le tenu maintenant. Partagez d'abord. Mettez le nom de la ville où elle va ouvrir, elle dit qu'elle va ouvrir la boutique là. Mettez le nom. Il vous sort le tenu maintenant. Hein? Je sais que vous avez vu le poste, mais comme c'est un live impératif, framponnez le nom et je vais vous sortir le tenu. Partagez d'abord. Elle dit qu'elle ouvre la boutique où? Point d'interrogation. Vous allez lui les. Connais pas encore. Tu connais pas encore. Tu vas rencontrer tous les alamimbou du monde mondial. Tu vas rencontrer les pygmées du Congo, du Bas-Congo. Il dit tu vas rencontrer les pygmées du Bas-Congo. Pour qu'on essaie de jouer dans ton moment. Il faut le laisser. Tu connais pas encore. Et Kamouné, que Dieu vous garde. J'ai déjà donné le tori. Ceux qui ont compris, ont compris. Ceux qui n'ont pas compris, n'ont pas compris. Voilà. Bah, ce que vous devez savoir, c'est qu'au niveau même de la région, de la direction régionale de la police judiciaire, même eux-mêmes qui sont assis comme ça là, ils ont regardé le dossier. Ils ont dit, ouais, il y a dossier ici dehors. Quoi? Eux-mêmes, ils sont ébambis. Eux-mêmes là-bas, le patron de la police du Sud, il est ébambi. Il est perdu même. C'est-à-dire que lui-même, il a dit, lui-même, quand il entend même comment l'affaire s'est passée, lui-même, il dit que non. Même si tu as raison, quand même, faisons les choses dans l'ordre. Ça, c'est clair. Donc, les histoires, quand vous dites que c'est l'enquête est clos là, il faut laisser ça. Il n'y a pas de clos. L'enquête n'est même pas placardée pour être clos. Donc, les gens qui vous disent que l'enquête est clos, il faut les laisser. Laissez-les dans le clos et dans le clotage. Voilà. Ce que nous on sait là. C'est que l'enquête suit son cours. Ça, c'est clair. Si tu veux même va rencontrer tous les alamimbou de la planète Neptune, laisse là ces petits. Non. Ah, laisse ces petits. Ah! Fallait un peu plus loin. C'est toi qui as dit c'est clos, non? Il n'y a pas de problème. Il y a foi. On utilise les artifices pour vous dire que non, je vous ai dit que hier, quand je faisais mon live, je vous ai dit qu'au moment où je parle, Conrad est à Ibolova, à la direction régionale de la police judiciaire du Sud. Oh, maman. Vous savez, si on a appelé Conrad hier à Ibolova pour entendre sa version, ne pensez pas que ça veut dire tout ce que ça veut dire. Quoi? J'ai dit bien tout ce que les gens peuvent raconter et épiloguer. Je vous ai dit depuis le début de cette affaire. Je vous avais dit dès que je suis entré dans cette affaire. Parce que moi, je sais voir les affaires compliquées. Je sais les voir de loin. Oh, maman. Donc, quand j'avais vu l'affaire, si j'ai su automatiquement, c'est une affaire, on va courir. Et je vous avais dit, si quelqu'un n'a pas le cardio, s'il vous plaît, calmons-nous. Quoi? Mais si tu n'as pas ton cardio, calme-toi d'abord. Ah bon? Et pourquoi? Parce que là où nous sommes là, maintenant, c'est une affaire de cardio. Je ne peux pas vous mentir. Il y a les jours, je me lève, je lis certains messages que les gens m'envoient. Je dis, Seigneur, je fous même quoi dans cette affaire? Point d'interrogation. Je cherche même quoi dans ce moment? Ça dit que comment même les gens, même ça dit que je cherche même quoi dans cette affaire? Point d'interrogation. Et parfois, je lis les messages des gens, je dis, merde. On peut être comme ça. Mais comme je me rappelle que c'est moi-même qui avais dit aux gens que le cardio est de mise, le cardio est de rigueur. Alors je tiens à clarifier ici que dans aucune de mes sorties, je l'ai fait et je le dis pourquoi. Parce que je vois il y a des gens qui viennent dans mon inbox, je ne sais pas si c'est des charlatans ou si c'est des sous-fingas ou des quoi. Oh, 100 ans, vous avez accusé Karimou, vous avez accusé. Et je pose toujours la question, va dans tous mes lives qui sont encore sur ma page parce que je ne suis pas de ceux-là qui suppriment les lives après 30 jours. Les lives sont encore sur ma page. Tu m'identifies dans un live où j'ai accusé Karimou d'avoir tué Samy. Si jamais tu m'as puni. Alors ne confondez pas les choses, s'il vous plaît. Ne confondez pas les choses. On réclame justice. On met tout le monde. Même Guy Lowe peut être l'agresseur de Samy. Quoi? Il dit Guy Lowe même peut être l'agresseur de Samy. Quoi? Tamdem même peut être l'agresseur de Samy. Quoi? Même Abdelaziz qui a parlé là peut être impliqué si on se rend compte que comme il a dit qu'il a aidé Samy à s'asseoir sur la chaise roulante, à porter Samy sur la chaise. Si on se rend compte que, parce que je vous ai fait un live ici, ceux qui se souviennent, ok, où j'ai expliqué
qu'un accidenté de la voie publique ou bien même un accidenté normal, c'est pas n'importe qui le manipule. Ça c'est clair. Au Cameroun là-bas, c'est n'importe qui fait n'importe quoi, même à l'hôpital, tu vois les individus des civils sont dans les salles de radio et tout. Ça c'est clair. Il y a quelqu'un qui m'a contacté, je pense qu'il est dans le live. Qui a été dans cet hôpital de Kibi? Qui m'a envoyé une photo étant dans cet hôpital de Kibi? Oh maman. Je suis et je vais faire intervenir cette personne, peut-être pas dans ce live, mais je vais faire intervenir cette personne pour qui donne son témoignage. Pour qui vous donne son témoignage? Voilà les choses que vous voyez là, dans les vidéos là. Quand quelqu'un qui a été admis dans cet hôpital vous dit que ces gars ils ont tourné cette vidéo certainement pour une mise en scène. Parce que moi j'ai été interné dans cet hôpital et la personne vous envoie des photos. Ce n'est pas que la personne te dit avec la bouche, la personne t'envoie photos. La personne t'envoie des photos d'elle-même à cet hôpital. Et tu vois la photo là. Et tu vois. C'est quand on te montre aujourd'hui, tu dis non, 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 c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, il dit, cette vidéo-là à l'hôpital, la vidéo où Abdourahmane prend le téléphone de sa mère, il dit, lui, il ne connaît pas là où ça a été pris. C'est quel hôpital là-bas, il ne connaît pas. Mais la deuxième vidéo-là, les murs-là sont peints comme les murs de l'hôpital de Kibi. Et quand il m'envoie la photo, je vois exactement les mêmes couleurs de peinture. Ah, ça. Voilà une affaire comme ça où les gens sont en train d'insulter le système médical camerounais. Et les gens veulent qu'on s'arrête là, on ne disait rien. J'ai dit non, on ne peut pas se foutre des gens comme ça. On ne peut pas se foutre des gens à ce point. Alors, c'est une affaire assez délicate et c'est aussi une affaire assez rocambolesque. Maman! Digne d'un film de Mami Wata sur la bicyclette. Calmons-nous, allons doucement. On ne peut pas être assis parce que les gens trouvent du plaisir à vouloir toujours vilipender le Cameroun. Quoi? À vouloir toujours. Jeter le Cameroun à la vindicte populaire. On doit rester dans sa chambre et dire. Quoi? On ne peut pas rester là, ne rien dire. Je suis désolé. Alors, quand j'ai dit que je n'ai pas accusé Karimo directement d'avoir tué Samy, ça ne veut pas dire que je ne peux pas souligner sa part de responsabilité dans la mauvaise prise en charge et la mauvaise gestion de la situation. Peu importe quelle était la situation. Mais mon frère, hey. Peu importe. Pour quelqu'un qui, quand elle achète une voiture, elle communique, tu aurais dû communiquer. Ça, c'est clair. Pour quelqu'un qui a fait bisous à son mari à gauche et il rougit, elle communique, tu aurais communiqué. Ça, c'est clair. Quand tu dis ça, ça veut dire que tu as dit que Karimo tu es Samy. Non. Dis que Karimo sait ce qui s'est passé à Kibi, c'est pas l'accusé. Et c'est pas non plus un mensonge. Elle sait ce qui s'est passé. Oh, maman. Elle a dit qu'elle n'était pas là, non. Mais elle sait ce qui s'est passé. Et c'est quand on dit ça, ça veut dire que c'est, on a dit que c'est elle qui a tué. Il faut déjà qu'elle reconnaisse qu'elle sait ce qui s'est passé. Même si elle dit qu'elle n'était pas là, au lieu de l'accident, qu'elle dit que c'était accident là. L'autre niveau de responsabilité de Karimo, c'est qu'elle a menti pas à une reprise, pas à deux reprises. Elle a menti sur plusieurs fronts. Elle a menti en disant que sa soeur et elle se ressemblent comme deux gouttes d'eau en passant. Elle a menti en disant que l'accident s'est passé devant les autorités. Elle a menti en disant que l'accident s'est passé devant Freeland First Bank. Elle a menti encore en disant que l'enquête est close. Yes, mon frère. Hey. Lancer un message pour envoyer un message à. Comment on l'appelle celui-là, le Libanais là. Pour lui dire qu'en fait, il faudrait que tu répondes à visage découvert. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'on a déjà tous, tout le monde a déjà ton visage. Alors, si tu vas te cacher, tu te caches encore pourquoi? Ça ne sert plus à rien. Ça, c'est clair. Tout le monde sait à quoi tu le sais. Mais tout le monde sait à quoi tu le sais. On a ton visage, mon frère Libanais. Mon frère Libanais qui a tous les accents du nord au sud, de l'est à l'ouest du Cameroun, mon frère. En plus, il est expatrié. Expatrié. Ça voudrait dire qu'un expatrié, normalement, c'est comme moi, je suis un immigré en France. Je ne peux pas tout à fait avoir l'accent français comme un français qui est né en France. Ça, c'est clair. Et en plus, il est au Cameroun, il a dit ça fait pas longtemps. Ça, c'est clair. Et ça ne fait pas longtemps. Donc, il a l'accent des Anglo, il a l'accent éton, il a l'accent Bassa, il a tous les accents du Cameroun, mon frère. Oh, maman. C'est comment? Vous voulez prendre les gens pour des fous? Point d'interrogation. Je dis qu'on ne va pas laisser le toit, c'est jusqu'au bout. Voilà encore Tandem qui est en train de m'écrire là sur mon mur. Tandem, je suis. Je dis que moi, je ne rigole pas. Moi, je vais maintenant, j'attends le stade où on va maintenant aller du tic au tac. Je ne suis plus en train, je suis plus dans les choses que maintenant on va essayer de voir qui c'est. Tandem est sur mon mur en ce moment. Si jamais tu m'as puni. Il dit quoi? Parce que, en fait, j'ai publié Tandem la vidéo là où il est avec Samy. Et il dit le blanc et tout machin. Enfin, il y a une vidéo sur mon mur, je sais pas. Enfin, j'ai dit, j'ai publié tout machin. Je dis, oh, l'homme, la mort de l'être ne vient jamais de loin. Mm-hmm. Tandem a atterri dans mon mur. C'est Tandem, céréal shooter. Shooter. Mm-hmm. Donc, il est sur mon mur en ce moment en train de se chamailler avec les gens. Alors, où je parle là, Tandem est sur mon mur. Je viens de voir là maintenant qu'il vient de répondre à ce que je viens de dire. Tandem, c'est toi ici sur la photo de dos ou c'est pas toi? Mm-hmm. Dieu donné, depuis, on ne s'est pas eu au téléphone, on ne s'est pas au téléphone. Je dis, on ne s'est pas parlé, toi. Enfin, tu n'as pas lu mes messages sur tes directs et tout. En fait, Tandem, j'ai publié un post Tandem de dos et Tandem de profil. Tandem était présent le jour qu'on mettait Samy. C'est Tandem en haut tricolore là. Le haut, le t-shirt tricolore qui a plusieurs couleurs, qui est de dos. Le mec qui est de dos, c'est Tandem. Et moi, j'ai fait une illustration, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai mis le mec de dos et je suis allé sur le profil de Tandem. J'ai pris l'une de ses photos où il portait la casquette. Et j'ai bien montré, démontré que voici Tandem. En fait, il a un trait ici derrière. Il a un trait ici. Et sur la photo, là où il a la casquette, il a le même trait qui vient d'ici jusque là. Donc, c'est Tandem. Le même cou musclé et puis la mâchoire. Quand Tandem se positionne, quand il se met debout comme ça, Tandem n'est pas droit. Il met la mâchoire, c'est la mâchoire gauche ou droite, je sais pas trop, qui se positionne comme ça. Donc, c'est Tandem sur la photo du jour où on mettait Samy dans la voiture. C'est Tandem. Que Dieu vous garde. Et puis je suis en train de te dire, Dieudonné, est-ce que tu sais que vous avez dit, est-ce que tu sais, en tout cas, vous avez dit, on a dit que ce jour-là, il a eu une pluie. Mais la pluie qu'il a, il a plu ce jour-là. C'était de quelle heure? Au petit matin jusqu'à à peu près 10h, non?
Regarde bien, je viens de mettre une photo sur mon mur où le monsieur en bleu qui met Samy dans la voiture et Camden est derrière le monsieur. Le monsieur est bien crampé. N'oublions pas que il y a eu des personnes qui ont